Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Dans cette deuxième journée, nous parlons de ce divin potier, celui qui nous forme, qui nous façonne pour qu'on puisse devenir un vase d'honneur. Avec notre invité, le pasteur Douglas Kiongeka, on est heureux de t'avoir encore dans cette deuxième journée avec nous. Merci pour ce que tu as partagé hier et ce que tu vas partager encore aujourd'hui avec tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de cette argile qui est le choix de Dieu. Tu es l'argile, le choix de Dieu. Et hier, j'ai partagé un peu en quelques mots comment hier, avant-hier soir, j'ai relu des livres en fait, que j'avais écrits quand j'avais 18, 19 et 20 ans. Et au début de l'un de ces deux livres, je rappelle un passage qui m'a poursuivi toute mon adolescence, ma jeunesse, qui se trouve dans Lamentations, chapitre 3, verset 27. « Il est bon pour l'homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Wow. » Et ça me rappelait constamment que c'est vrai, suivre Christ, ça demande un coût, un prix. Il y a un prix à payer, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. « Il est bon pour le jeune homme de porter le joug pendant sa jeunesse. » Et Jésus disait « Recevez mon joug, mes instructions sur vous. » Et je veux vous encourager particulièrement, vous les jeunes, en cette semaine, suivez le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon pour toi, mon ami. Il est bon pour toi, jeune homme. Il est bon pour toi, jeune fille, de porter le joug pendant ta jeunesse. Et quand on est là, on est jeune, on ne réalise pas pourquoi il est bon de porter le joug, pourquoi il est bon de suivre Jésus alors que tous les autres font tout ce qu'ils veulent. Ils suivent leur passion, ils ont l'air de réussir, etc. Et peut-être nous, on n'a pas l'air de réussir, on a l'air, je ne sais pas, d'être empêché ou de faire des choses. Mais en fait, on est dans une véritable liberté. Et je prie que vous puissiez découvrir cette liberté que vous avez en Jésus-Christ. Il est bon pour vous, c'est ce que Dieu dit pour vous. Il est bon pour le jeune homme, pour la jeune fille, de porter le joug. Ça veut dire de suivre les instructions du Seigneur Jésus pendant sa jeunesse. Alors vous pouvez, vous êtes appelé à méditer la parole de Dieu, à lire la Bible régulièrement et à ce que cette parole de Dieu, qui est une lumière à vos pieds, devienne effectivement cette lumière qui dirige vos pas, qui façonne vos pensées, vos raisonnements, qui font de vous et qui feront de vous ce que vous allez devenir demain, une personne, un adulte, une adulte influente dans ce monde. Et c'est vraiment notre prière pour vous qu'en cette journée, alors que nous parlons de cette argile qui est le choix de Dieu, vous puissiez encore ouvrir votre cœur à la parole de Dieu, à ce que le Saint-Esprit veut opérer dans votre cœur et dans votre vie personnelle. Dites-lui vraiment que ce soit une semaine particulière. Peut-être Dieu vous appelle à jeûner, à passer un jour, deux jours, trois jours de jeûne, ou peut-être cette semaine à passer du temps à jeûner. Soit vous pouvez ne pas du tout manger de la journée, bien sûr buvez, ou soit alors vous allez manger seulement le soir, certaines personnes font ça. Peut-être vous allez jeûner aussi des réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui est important maintenant pour les jeunes, pour pouvoir écouter un peu la voix de Dieu, alors qu'on est tellement préoccupé par la voix des hommes. Vous êtes l'argile, tu es l'argile, le choix de Dieu. Et alors, pasteur, tu disais donc, dans les titres que tu m'as partagés, que Dieu choisit l'argile pour accomplir son plan. Pour accomplir son plan. Déjà, pour rejoindre un peu ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, les jeunes, quand on reçoit l'appel de Dieu en tant que jeune, on ne passe pas notre temps en vain. On ne rate pas beaucoup de choses parce que le modèle parfait reste Christ. Et Christ a été choisi avant même sa naissance. Il est né, déjà mis à part. Il a grandi et à l'âge des 12 ans, 12 et 13 ans, déjà il pouvait s'occuper des affaires de son père. Mm-hmm. Il a 30 ans, il est rentré dans son ministère en tant que jeune fougueux. Il a bouleversé le monde en tant que jeune. Et je crois que Christ reste le modèle parfait. Et tous les autres modèles ne sont que des copies, des imitations. Mm-hmm. Et la finalité, c'est la vanité. C'est ça la finalité. Voilà, donc nous sommes l'argile. Dieu choisit l'argile. En tant que potier, c'est sa matière première qui va justement extraire à partir de la roche ou encore de la boue, des endroits marécageux, pour façonner justement un vase qui va être son chef-d'œuvre. Donc Dieu ne prend jamais quelque chose qui bride. Dieu n'utilise pas au début, quand il vous appelle ou quand il vous met un pas, quelqu'un qui est déjà arrivé, quelqu'un qui a déjà. Dieu commence toujours du néant. C'est pour ça que dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, on voit, lorsque le Seigneur va façonner l'homme, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre
Le verbe former, c'est yatsar, c'est former à partir de quelque chose, des matériaux. Et donna une forme à l'homme. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Et là, ce qui m'a le plus choqué, c'est que Dieu vient chercher l'argile. Dieu vient chercher la poussière. Dieu se salit les mains. Et il devient comme un chercheur. Pour chercher une matière première qu'il va utiliser, qu'il va changer, qu'il va transformer. Et en fait, la vision que Dieu a des hommes n'a rien à voir avec la vision des hommes. Dieu peut voir l'excellence dans ce qui est méprisable. C'est pour ça que je donnerai raison à Paul quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Dieu a choisi les choses faibles du monde, amen, les choses folles du monde, les choses qui n'existent pas, les choses que l'on méprise pour confondre ceux qui sont. Donc, Dieu a besoin de l'argile. Et en méditant un peu sur l'argile, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cela représente, l'argile? Et deux réponses sont venues dans mon esprit avec les fondements bibliques. Nous voyons que premièrement, l'argile représente tout homme. Parce que nous avons été formés à partir de la poussière de la terre. Et même si par la suite le processus n'est plus le même, donc Dieu ne prend plus toujours la poussière, mais nous naissons de nos parents qui sont poussière, parce que si on remonte au commencement, Adam et Ève étaient poussière. Et d'ailleurs, suite au péché, le Seigneur a dit « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». Donc nous sommes tous constitués de la poussière. En gros, nous ne valons rien. Nous sommes méprisables. Il suffit de voir lorsqu'une personne décède quelques jours après ce que le corps devient. Ouais. Donc, on n'est vraiment rien. Mais le potier veut donner de la valeur. Donc, il n'y a que le potier qui peut valoriser l'homme. C'est pourquoi je donnerai raison à David quand il dit « Je te loue de ce que tu m'as créé. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. » Donc, tel que tu es, peu importe ce que tu es ou peu importe ton passé, tu as de la valeur. Et ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu peux posséder entre tes mains. Il y en a qui pensent que pour avoir de la valeur, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de la valeur, il faut être marié, il faut être, je ne sais pas, il faut occuper un rang social. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas le cas. Aux yeux de Dieu, c'est lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, à partir de ce moment-là, lui, il te donne de la valeur. C'est la raison pour laquelle j'invite encore les personnes qui sont encore indépendantes, qui vivent encore leur vie comme ils entendent, à venir vraiment entre les mains du divin potier, qui lui va vous donner, nous donner à nous tous, de la valeur et nous donner un sens à notre vie, nous donner un sens pour notre avenir. Comme il dit, je vous donnerai un avenir et de l'espérance. Donc le véritable avenir, c'est entre les mains du divin potier. De l'espérance, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, dit l'Ecclésiaste. Et deuxièmement, j'ai compris également que l'argile représente en fait le peuple de Dieu, qui est son ouvrage. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà préparées, mais dans le présent, tu ne les vois pas, tu ne les vis pas encore. Mais c'est dans le devenir. C'est pourquoi si tu n'as pas, ou si tu n'es pas encore visible ou quoi, c'est pas que tu n'as pas de la valeur. Il faut apprendre à dire, je n'ai pas encore, mais j'aurai. Je ne suis pas encore, mais je deviendrai. Parce que tel il est, tel aussi nous devons être. Et nous sommes son peuple. David a dit, nous sommes le troupeau de son pâturage. Et il nous connaît. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu choisit-il de l'argile pour en faire un vase? Il est le Tout-Puissant. Pourquoi il ne peut pas faire de moi, de nous, un chef-d'œuvre en claquant de doigts? Non, ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Dans la pédagogie de Dieu, il faut du temps. Tu dois avoir un début et tu dois avoir une fin. Et le début est toujours méprisable. Le début, c'est la poussière. Et la Bible dit, de la poussière, il relève le pauvre, du fumier l'indigent, mais pour le faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Et en tant qu'argile, Dieu nous choisit pour un but. Et toutes les personnes que Dieu a utilisées, toutes les personnes
qui ont marqué leur temps, leur génération, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Dieu les prend toujours quelque part de méprisable. Même le roi de gloire, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est né, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles, dans une étable. Méprisable, mais cependant avec une grande destinée. Donc, le début peut sembler méprisable ou quoi, mais Dieu va entrer en action pour commencer maintenant à travailler pour t'emmener là où il veut t'emmener. Et je me suis posé aussi d'autres questions, Pasteur Jérémy, mais sur quelle base Dieu choisit-il l'argile? Sur quelle base? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu choisit, d'autres qui ne choisit pas? Non. Dieu appelle tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Je pense que les élus, ce sont ceux qui acceptent justement de rentrer dans la vision et dans le rêve de Dieu. Mais les appelés entendent la voix et refusent et rejettent. Et comme tu l'as dit hier, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est là le problème. Dieu ne peut pas commencer un travail de transformation, un travail où il va t'amener plus loin si tu n'acceptes pas de te placer entre ses mains. Son choix est basé sur, premièrement, sa miséricorde. Quand on lit Romains chapitre 9, il dit « J'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. » En d'autres termes, j'ai méprisé ou je rejetais Ésaü. Et quand tu lis la Bible, tu dis « Mais est-ce que Dieu peut haïr des gens? Est-ce que Dieu peut rejeter certains et préférer d'autres ?» Non. Tu comprends simplement par là que Jacob a accepté et Ésaü a méprisé. Et c'est ainsi que le choix, tout le monde a le choix d'accepter de venir au Seigneur comme de rejeter. Et toutes les personnes qui ont été utilisées par Dieu ont accepté. Christ lui-même, le modèle parfait, il dit, tu n'as voulu ni offrir ni holocauste, alors que Dieu demande, chercher à envoyer quelqu'un, il dit, mais voici, envoie-moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il y a toujours un problème d'accepter le choix de Dieu. Si j'accepte que je suis le choix de Dieu, je ne vivrai plus ma vie comme avant. Je comprendrai que c'est par sa miséricorde. Ce n'est pas à cause de ma beauté, ce n'est pas à cause de ma taille, ce n'est pas à cause de mon argent, de mon rang social que je suis choisi, mais c'est simplement à cause de sa miséricorde. Et ensuite, à cause de sa compassion. Parce qu'il a un plan derrière l'appel ou le choix de chacun d'entre nous. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent, nous ne sommes pas venus accompagner les autres sur la terre. Chacun de nous a une destinée. Tel que tu es, Dieu t'attend. Tu es l'original. Tu as un ADN que personne d'autre n'a. Et Dieu attend que la meilleure version de toi-même sorte. Mais tout commence par accepter d'être le choix de Dieu, comme l'argile. Quand Dieu a appelé Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9, il a une visitation divine et le Seigneur va se révéler à Ananias, il va lui dire, en lui disant, « Va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations. » Mais quand vous regardez ce qu'était Paul et ce qu'est devenu Paul, c'est deux réalités diamétralement opposées. Donc le problème, ce n'est pas d'où on vient. Qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être que tu es dans la boue aujourd'hui, tu es dans la prostitution, peut-être que tu vis une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais il t'appelle. Si tu acceptes de répondre à cet appel, tu deviens le choix de Dieu. Mais il va te transformer pour demain devenir un instrument entre ses mains pour bouleverser les nations. Et le choix de Dieu est aussi basé sur sa grâce. Quand on parle de la grâce, on voit une faveur imméritée. Personne ne peut mériter d'être choisi par Dieu, mais c'est sa grâce infinie envers nous. Et lorsque il fallait oindre le roi en Israël, après que le roi Saül fut rejeté, Dieu envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Et plusieurs d'entre eux, de ses fils, ont été présentés. Et Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu voit les cœurs. Et lorsque David est venu, alors qu'il n'était même pas dans la maison, il était loin, parce que quand la grâce de Dieu se pointe dans votre vie, où que vous soyez, elle va vous localiser. Elle va vous ramener pour rentrer dans le plan de Dieu. N'oubliez pas, ce qu'on a vu hier sur la vision reste fondamental. Vous n'êtes pas dans le rêve de Dieu, tout le reste ne marchera pas.
Vous venez dans le rêve de Dieu, toutes les restes va suivre comme une lettre à la poste. Et c'est ce qui s'est passé quand David est venu. Dieu a dit, c'est lui, lève-toi, moi-le, car je l'ai choisi. Mais sur quelle base? Il était le dernier de la famille, pasteur Jérémie. Dieu dit, je ferai de lui le premier-né de toute la terre. Je ferai de lui le roi le plus élevé, pardon, de toute la terre et le premier-né. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes le choix de Dieu, Dieu change ta position. Dieu te repositionne. Être l'argile entre les mains de Dieu, c'est accepter le repositionnement de Dieu. Dieu te prend de là où tu es et il t'emmène quelque part. Et ma prière aujourd'hui, c'est que certaines personnes qui ont pensé peut-être que Dieu ne les connaît pas en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont commis comme erreur, reviennent au Seigneur en disant, je suis le choix de Dieu. Dieu pose la question, qui enverrai-je? Dieu veut faire de chacun de nous des vases. Il dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, je ferai de lui un vase d'honneur. Dieu veut faire de chacun de nous un vase d'honneur, mais il faut déjà l'accepter. Te dire, entre tes mains, je m'abandonne. Lorsque tu refuses de t'abandonner entièrement entre ses mains, alors là, le Seigneur ne peut pas travailler. Toutes les personnes en qui Dieu a travaillé, ce sont les personnes qui se sont laissées entre les mains du potier. Et ce n'est pas le potier qui donne la forme, plutôt ce n'est pas l'argile qui donne la forme au potier. Aujourd'hui, nous avons des argiles, des hommes et des femmes qui refusent la direction de Dieu. C'est le potier qui a la vision, le rêve, qui te donnera la forme. C'est lui qui doit te malaxer. C'est lui qui doit te conduire dans ses voies. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'abandonner. As-tu déjà vu l'argile? D'ailleurs, le Seigneur dit, qui es-tu, toi, vase, pour dire à l'argile, pourquoi m'as-tu façonné ainsi? Donc, la forme que je dois avoir, ce n'est pas celle que je veux moi-même, mais c'est mon concepteur. Dieu est l'architecte, d'ailleurs, par excellence, et le constructeur de toutes choses. En tant qu'architecte, il a un plan, il a un modèle. En tant que constructeur, ses mains vont maintenant nous façonner pour nous donner la forme que lui veut. Parce que le premier vase a échoué. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Voilà pourquoi il a cassé, pour refaire un autre vase. Et je crois qu'on peut gagner beaucoup de temps en se laissant entre les mains du Seigneur. Et mon exhortation aujourd'hui, c'est d'aider les personnes à s'abandonner. Il dit, tel que je suis, je m'abandonne. Moïse a voulu délivrer Israël par ses propres forces. Ce n'était pas le moment. Il a échoué. Et lorsqu'il s'est abandonné entre ses mains, le divin potier l'a façonné, a fait de lui, un vase. Amen. Et peut-être vous êtes cette personne qui a essayé, comme Moïse, d'entrer dans les plans de Dieu par vous-même, par vos propres forces. Et ça a échoué. Mais comme on l'a dit hier et aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Et Dieu va encore continuer de vous former pour que la prochaine fois, ça réussisse. Alors oui, qu'on puisse passer maintenant un temps de prière où on s'abandonne au Seigneur. Si vous êtes seul, quelque part, vous avez la possibilité de prier, peut-être de vous mettre à genoux, peut-être d'étendre vos mains vers le Seigneur, simplement comme un symbole, plus qu'un symbole, un état de cœur, disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, qui d'autre, je veux bâtir en vain. Qui d'autre peut bâtir? Que tu bâtisses la maison, Seigneur. Que tu bâtisses, me voici, un homme, Seigneur, que tu bâtisses une femme, Seigneur. Tu as des instruments que tu as choisis de le monde entier. Tu as choisi un jeune, tu as choisi une jeune, tu as choisi un homme, une femme, une famille. Tu as choisi quelqu'un pour entrer dans un ministère précis. Amen. Tu as choisi quelqu'un pour manifester Christ dans cette génération. Alors je prie que cet homme, cette femme puisse humblement se positionner entre tes mains, en te faisant confiance, en se disant que le divin potier n'échoue jamais. Et entre tes mains, je suis en sécurité. Qui peut me ravir de la main de Dieu? Personne. Et en me laissant entre tes mains, tu me donneras la forme que tu veux. Ça prendra le temps que ça prendra. Je veux saisir la leçon. Je veux apprendre de toi. Et surtout, je veux dépendre de toi. Tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Voilà pourquoi en tant qu'argile, nous ne voulons pas être orgueilleux. Loin de nous l'orgueil. Loin de nous, Seigneur, d'avoir raison. Loin de nous ces choses. Humblement, nous nous positionnons. Humblement, nous venons, Seigneur, façonne-nous.
Façonne un homme et une femme. Façonne un jeune. Un jeune qui va être un instrument de gloire. Comme David que tu as appelé, qui était jeune. Oh Seigneur, façonne un homme, façonne une femme à ton image. À ton image, Seigneur. À ton image. Oui, c'est toi qui nous as appelés, prédestinés à être à l'image de ton Fils Jésus. Nous voulons être à son image. Oh Père, tu fais ce que tu veux. Oui, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Oui, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Oui, Seigneur. Je veux être prêt à tout abandonner. Oui, Seigneur. Même les choses qui comptent le plus pour moi. Même ce que je pense être dans ta volonté parfaite. Je veux être prêt à abandonner ma vie, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si tu me dis d'abandonner tel projet, je veux le faire. Fais-le pour si tu me dis d'aller à droite, je veux aller à droite. Fais-le pour notre bien, Seigneur. Si tu me dis, Seigneur, de m'investir dans tel projet, changer ce caractère, changer cette expression, je veux obéir. Là où tu es pris de tout ton cœur, Seigneur, façonne-moi. Je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Toute ma vie soit pour toi. Je donne tous les départements de ma vie. Plusieurs jeunes, vous êtes dans des relations amoureuses et vous savez dans votre cœur que ce n'est pas le temps. Et le Seigneur vous appelle à abandonner ça. Vous dites, oui, mais j'ai tellement été habitué à avoir des relations avec des filles, avec des garçons, mais le Seigneur te dit, mais moi, je veux plus que 1000 filles, plus que 1000 garçons. Je suis Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent prendre des décisions radicales pour le Seigneur. Dans la prière maintenant, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il met le doigt sur des choses et pendant qu'on parlait, il y a des choses que le Seigneur a pointées. Et ces choses-là, avec votre bouche, de votre cœur, vous dites « J'abandonne ça. J'abandonne ça, Seigneur, entre tes mains. Je ne veux pas avoir le contrôle sur ma vie. » Je veux que tu contrôles ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu prennes toute la place, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui diriges, toi qui conduises ma vie. Merveilleux Jésus-Christ, prends le contrôle. Règne, Seigneur, dans ma vie. Façonne-moi, change-moi, transforme-moi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu changes mon cœur, tu changes mon caractère, tu changes mes raisonnements. Je veux embrasser, Seigneur, embrasser la vision, l'appel. Toi qui m'avais prédestiné à être adopté en Jésus-Christ pour t'appartenir en propre, être à toi, être pleinement à toi. Me voici. Et dis-lui, me voici, Seigneur. Prends ma vie, mon futur, mon présent, je te le donne. Je te le donne, Seigneur, je te donne mes craintes. Je te donne mes peurs, je te donne mes raisonnements, mon intelligence. Je ne veux pas me baser sur mon intelligence ni sur ma sagesse. Mais je te reconnais dans toutes mes voies. Prends l'orgueil, prends la fierté, prends l'esprit de contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Oui, à toi seul, comme l'argile entre les mains du potier, je m'abandonne. J'abandonne mes projets.
veux être comme tu veux. Nous voulons être comme tu veux. Oh oui, Seigneur. Tel que tu veux que nous soyons, nous voulons l'être, Seigneur. La meilleure version de nous-mêmes, ce qui est caché en Dieu, oui, soit manifesté en nous au travers des mains du potier. L'argile, ne discute pas avec le potier. L'argile se laisse façonner. L'argile se laisse moller, travailler. Entre les mains de Dieu, des mains tendres, des mains douces. Des mains qui façonnent. Façonne-moi. Je veux être cette créature si merveilleuse. Je dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Afin de porter des fruits et des fruits qui demeurent. Un instrument entre tes mains. Un instrument pour bouleverser les nations. Un instrument pour amener le règne de Dieu sur la terre. Merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Éclaire les cœurs. Je prie que tu éclaires les cœurs. Père, j'appelle des songes de direction, des prophéties de direction. Je proclame, Seigneur, que tu vas inspirer des personnes à prophétiser pour eux. Que tu inspires des songes et des révélations particulières. Glorieux Jésus-Christ. Je voudrais vous partager cette parole que mon pasteur m'avait donnée lorsque j'avais à peu près 18-19 ans. Où il m'a dit, sois attentif à la parole que tu vas recevoir. Parce que c'est de cette parole, c'est cette parole qui dirigera, qui te dirigera dans ta vie, dans ce que Dieu veut faire à travers toi. Et je veux vous encourager, sois attentif, soyez attentif à la parole que le Seigneur va vous donner. Il va vous diriger ou qu'il vous a donné. Bâtissez votre vie sur cette parole, sa parole et les paroles de direction qu'il vous donne. Ainsi, vous réussirez. Et je peux vous dire que vous n'allez pas réussir si vous ne passez pas du temps dans sa parole. C'est pourquoi, jeunes et moins jeunes, passez du temps dans sa parole. C'est elle qui va vous bâtir jour après jour, un peu de temps, un peu chaque jour, et ça va vous façonner. Prenez, aimez la parole de Dieu. Faites-en votre nourriture de tous les jours, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, passez du temps dans la parole de Dieu, aujourd'hui et demain, et qu'elle devienne une véritable nourriture dans votre vie personnelle. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Merci, pasteur. On va continuer demain à travailler avec l'aide de Dieu, à le laisser nous travailler. Alléluia.